Depuis des années, Arnaud me demande si je suis enfin décidé à venir le rejoindre en automne pour découvrir l'Alaska. J'ai à chaque fois repoussé cette invitation alléchante pour diverses raisons. Mais cette année, je me suis enfin décidé. Me voilà donc en route pour une aventure avec mes deux amis photographes, Arnaud Marchais et Marie Lefranc, qui connaissent la région comme leur poche. J'atterris à Anchorage, qui est la capitale de l'Alaska. À quelques kilomètres de la ville, dans un endroit que nous ne révélerons pas, je rejoins Arnaud. Dans cette réserve, on trouve normalement de nombreux élans protégés de la chasse. Arnaud a rencontré Didier, un ami américain qui est photographe professionnel et qui va nous donner de bonnes indications pour trouver les élans. Donc ça ferait à peu près aller-retour 12-13 km si on va là-bas, 15. Si on monte jusque là et revenir, en tout 15 km aller-retour. L'information est bonne, hein, le taureau il est là avec ses femelles. Donc, voilà. Nous partons pour une randonnée en moyenne montagne à la recherche des élans. Arnaud est enthousiaste. Ça a le don de me motiver et de me faire oublier le poids du matériel, le mauvais temps et les kilomètres. C'est vraiment la place de Ruth. C'est idéal pour eux, quoi. C'est dégagé. Mais nos élans se font attendre. Faut y croire. Faut y croire. Hier, la chance n'a pas été au rendez-vous et nous n'avons pas vu d'élan. Les photographes que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'il est difficile de les observer cette année. C'est probablement la chasse qui est responsable de la raréfaction des animaux. Les chasseurs disent que les femelles sont trop nombreuses et ils ont obtenu le droit de tirer plus de grands mâles. Là, ça peut être dangereux, là. Hein, parce que vraiment, l'élan rut, c'est vraiment bien devant le grizzly en termes de danger. Bon, en tout cas, il n'a pas chargé Marie, il est venu la sentir dans le cou. C'est une histoire de fou, ça. Un, deux. S'il charge, on se jette dans les fourrés. Hein. Mais on va les voir, hein. Ça va descendre. Hein. Ah, ça y est, on a un grand mâle, on est vraiment récompensé. Il est beau, hein. Bon, il y en a qui sont peut-être plus beaux, plus énormes encore. Mais enfin, celui-là, il fait peut-être 2 mètres, 2 mètres 10 au garrot. C'est un monstre de 600 kilos. C'est profondément un animal qui est associé au territoire du Nord. Et pour moi, c'est le mythe. C'est le mythe absolu. Et il faut bien faire attention au fait que c'est un géant qui semble endormi, qui semble calme. Mais non, c'est un animal qui reste très très dangereux. Arnaud est vraiment un guide exceptionnel qui ne lâche jamais rien. Encore une fois, il m'a prouvé qu'avec de la persévérance, on trouve toujours les animaux. Un joli mâle. C'est pas les monstres mâles. En Scandinavie déjà, des mâles comme ça, ce serait exceptionnel en Scandinavie d'avoir un mâle de cette taille. Alors c'est pas la première fois que je vois des petits mâles comme ça, que j'appelle des mâles périphériques, qui viennent sur les places de rut, sur les zones de rut. Il faut se méfier d'eux parce qu'ils n'ont pas peur de l'homme et puis ils peuvent être un petit peu agressifs, ils ne peuvent pas challenger les gros mâles. Alors on se demande toujours s'ils ne viennent pas challenger le photographe. Moi je me méfie d'eux parce que ça reste quand même, même s'ils n'ont pas la ramure, on voit bien avec celui-là, la ramure d'un grand mâle, ça reste des animaux très très puissants. Pour arpenter, pour explorer ces gigantesques territoires de l'Amérique du Nord, on a besoin d'une certaine logistique quand même. On n'a pas d'énormes moyens, mais un véhicule tout-terrain, c'est indispensable. De quoi dormir un petit peu confortablement, même si c'est avec une vieille cellule. Et puis, il y a la logistique, la réparation, la préparation. Et puis, bien sûr, essayer de s'alimenter le plus sainement possible avec de l'alimentation locale, biologique. C'est un style de vie. C'est avant tout un style de vie.
On va essayer de tenter notre chance sur la région du Denali, sur une zone de rute. J'ai déjà fait pas mal de très belles photos. Et ils annoncent de la neige, donc on risque d'avoir des ambiances particulières. Notre road trip commence. Comme Arnaud me l'avait dit, les couleurs de l'automne sont incroyables et la nature est ici presque vierge. Après 5 heures de route, nous arrivons à l'orée du parc national du Denali. Il faut en retrouver une autre, qui ne soit pas occupied. Et c'est incroyable le monde qu'il y a, hein ? C'est bon signe. Hein ? Nous allons devoir monter notre camp dans le camping du parc, car le camping sauvage est interdit à l'intérieur du parc national. En effet, les ours sont très présents et il ne faut pas laisser la moindre nourriture en dehors des véhicules. Ça va bientôt sécher la tente. Il y a du tirage. Hein. Moins de 20% des gens qui visitent l'Alaska arrivent à voir le sommet du Denali dégagé comme on l'a et c'est vraiment un privilège incroyable que nous avons aujourd'hui. Le parc national du Denali qui s'appelait avant le McKinley, c'est tout un univers et je suis content maintenant que ce soit un nom indien qui rende hommage à ce gigantesque sommet mythique. C'est une zone vraiment que j'adore. Mon ami Didier vient juste de nous apprendre qu'une harde de caribous avec plusieurs mâles en rute était en train de se déplacer et certainement de migrer, de sortir du parc. J'espère vraiment qu'on va les voir. C'est tellement rare à voir ces derniers temps et faut qu'on cherche là, faut qu'on cherche avec un petit peu de chance. On sait qu'ils sont par là, essayez, ils sont là. C'est extraordinaire. C'est beau ça. Je crois qu'ils nous ont sentis et ils nous ont entendus peut-être aussi. On est en pleine période de rut. Les mâles sont essoufflés, non pas de la course, mais de l'excitation. Les femelles ne sont pas essoufflées de la même manière. Les femelles du renne, du caribou, ont des bois, ce sont les seules femelles de cervidés qui ont des petits bois et on voit vraiment la différence de bois ici avec ce très beau mâle.
reviennent vers nous, là. Ils reviennent vers nous. Allez, doucement, doucement. Ah, ils nous regardent, ils nous ont... Ils se méfient de quelque chose, ils nous ont repérés. Voilà, là, c'est magique. C'est absolument magique. Le patron, c'est quand même le gros mal, là, qui a les... Qui a les grands bois, là, le voilà, là. Il est... Regarde ça comme c'est beau, ça. Regarde ça comme c'est beau. Il a les couleurs de l'automne sur ses bois. C'est magnifique. Quelle puissance. La rencontre, au loin, avec ce premier élan, nous remplit d'optimisme. Les mâles sont bien présents pour le rut. Mais c'est surtout en fin de journée qu'on pourra les observer. J'avais déjà observé ces oiseaux en Europe, mais ici c'est étonnant, car ils ne sont vraiment pas craintifs et je peux les filmer à quelques mètres. Ce sont des lagopètes des saules. En hiver, ou comme ici en automne, ils se nourrissent de bourgeons de saules. Ils changent trois fois de plumage au cours de l'année, et dans peu de temps, ils deviendront complètement blancs. Seule leur queue restera noire. Dans la neige, ils seront invisibles. On vient de garer la voiture au bord de la route car il y a des oiseaux qui se promènent sur le sol. Ce sont des tétras du Canada. Eux aussi se laissent très facilement approcher. Le mâle a un joli caroncule rouge au-dessus de l'œil et là, il est accompagné par deux femelles. C'est vraiment le gros grizzly de montagne, 300-350 kg, il doit faire 2,20 m de haut. Très beau mâle, chocolat, juste le dos argenté. Il se nourrit principalement de baies avant l'hibernation. Les gens pensent que tous les ours bruns sont des grizzlies, mais là on a le spécimen du grizzly, c'est-à-dire l'ours des montagnes. C'est un ours à cette période-là qui a un régime très fructivore, hein. Il a besoin d'accumuler, ça cherche, ça fouille. C'est un travail intense, hein, des heures de recherche comme ça. Il nous sent, il nous a senti, c'est nous qui sent. Hop, on va peut-être... on va peut-être se reculer les trépieds. Il faut garder la distance de sécurité. Clairement, tant que chacun reste chez soi, nous on reste sur la piste, il nous a localisés, et puis maintenant il nous oublie. On nous oublie à partir du moment où on n'a pas de nourriture sur nous, on ne représente pas un danger, chacun dans son coin et le spectacle il est juste pour nous. Je suis venu en Alaska pour voir des ours qui n'ont pas peur des hommes. Ce que je défends, c'est la photo bio, sans aucune intervention humaine, où l'on n'est qu'un simple témoin, un spectateur de la nature. Mon but n'est pas de faire une photo sensationnelle pour gagner des concours. Comme Arnaud, je suis ici pour communier avec les animaux, et c'est ça le plus important.
Les premières neiges ont blanchi les sommets et progressivement, l'automne fait place à l'hiver. En fin de journée, nous attendons les élans. Ce que j'aime le plus en photo ou en vidéo animalière, c'est la chasse. Traquer sa proie, la repérer sans se faire voir et après des heures d'attente, shooter sa cible. La seule différence avec la vraie chasse, c'est que l'animal est toujours vivant après mon départ. Je suis content qu'on puisse voir un groupe entier comme ça d'élan. C'est très dur cette année. Il faut savoir que, c'est ce que nous ont dit nos amis américains, il y a eu un hiver avec une très grosse épaisseur de neige, des grosses chutes de neige exceptionnelles. Et donc les cervidés ont eu énormément de mal à se déplacer, à se nourrir. Ils ont eu une grosse, grosse perte d'animaux. Il y a moins d'animaux que les années précédentes, je trouve. Alors là, on a de nouveau un jeune mâle qui est un petit peu atypique au niveau de ses bois. Il n'a vraiment pas peur de nous. Peut-être qu'il aura une dame qui essaiera de lui donner des faveurs, mais je ne pense pas qu'il puisse les obtenir comme ça, parce que les grands mâles surveillent. Les premiers flocons blanchissent peu à peu le parc national du Denali et il y a de grandes chances pour que les rangers du parc ferment la route. Nous avons donc décidé de partir demain de cet endroit magique. Rencontrer un grand mâle comme ça dans son environnement, un peu éloigné de nous, mais c'est pas grave, pour le photographe que je suis, c'est une véritable récompense. Nous allons quitter l'Alaska des montagnes et des toundras pour rejoindre l'Alaska côtier. On va essayer de trouver des castors là. J'avais repéré à l'allée barrage à castors, on va voir si on trouve les castors.
Arnaud ne s'est pas trompé et on repère la présence des castors un peu partout. Parmi les animaux emblématiques du Grand Nord, bien sûr, il y a évidemment le castor. Moi, c'est un animal qui me fascine. C'est difficile à voir. Alors, quand on a la chance, là, c'est magnifique. Là, il est en train de nager, passer à côté de nous. Là, je crois qu'il nous a entendus. Là, il fait attention. Là, est-ce qu'il va claquer la queue ? Il hume. Il vient nous voir. Carrément, il vient nous voir. Qui on est ? Alors, ça, c'est un moment vraiment magique. Parce que je vous garantis qu'en Europe, ça se... Même en Amérique du Nord, ça reste des moments exceptionnels, les yeux dans les yeux. Des animaux qui ont été persécutés pour leur fourrure, puisqu'ils ont des fourrures qui sont exceptionnellement protectrices du froid, de l'humidité, et donc ça a failli leur coûter très très cher. Donc c'est un plaisir de retrouver des castors, mais aussi des loutres que les humains n'ont pas complètement détruits. Nous partons pour Heinz, qui est un petit village situé au bord d'un fjord, réputé pour ses saumons et pour ses ours. Arnaud espère que les grizzlies seront au rendez-vous malgré la raréfaction des saumons. Sur la route enneigée, nous croisons un coyote. On a franchi Heinz Pass et puis on arrive enfin dans l'Alaska côtier. On va retrouver cette petite ville de pêcheurs traditionnels, Heinz, où deux rivières, la Chilkat et puis la Chilkoot, viennent se jeter depuis les glaciers dans la mer. Et c'est un grand, grand rassemblement pour les aigles, pour les ours, à cause de la remontée des saumons. Ça y est, on est vraiment arrivé sur le territoire des ours bruns côtiers. Ce n'est plus les grizzlies des montagnes d'Alaska et ce sont des ours qui n'hésitent pas à descendre près des rivières. Ils sont chez eux, à eux la rivière. C'est la danse de l'ours. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir filmer mes premiers ours et de les voir pêcher des saumons. La tension est palpable car ils peuvent venir de partout. Je marche à côté de leurs grosses empreintes. Je vois où ils se couchent et j'évite même leurs crottes fraîches. Ici, nous avons plusieurs variétés de saumon sauvage et cette espèce-là, le raid, le saumon rouge, cette année, ça s'est bien passé. On a des bonnes reproductions, des bonnes remontées et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est ici à Heinz, je me suis dit l'importance des saumons, c'est vital pour tellement de protagonistes de l'écosystème. Donc, sans saumon, pas d'ours, pas d'aigle, pas de mammifères marins, pas d'arbres aussi majestueux. Et l'humain, il est un peu dans la merde aussi. One. C'est ça l'idée. «
L'aigle pêcheur, qu'il soit européen ou ici l'aigle américain, c'est un de mes chouchous. Et c'est un aigle assez opportuniste et il a besoin de saumon. Il a besoin d'avoir du saumon pour pouvoir passer l'hiver et remigrer vers le sud. C'est très intéressant pour le photographe de voir les aigles interagir pour se disputer la nourriture de la rivière. Oui, pris. Ici en Alaska, il ne faut pas oublier qu'on est dans une forêt pluviale. Les précipitations sont importantes. C'est la plus grande forêt pluviale au nord du monde. C'est difficile pour le matériel, c'est difficile pour les hommes et c'est le prix à payer pour faire ces belles captures d'images. La passion d'Arnaud est communicative. Alors que je déteste la pluie, avec lui c'est un plaisir de filmer et de faire des photos. Il a cette faculté de te faire entrer dans un monde et un univers qu'il aime partager. Voilà, ça y est, on a nos premiers ours et c'est d'une maman avec trois jeunes qui ont 2 ans. Hein, ce ne sont pas des jeunes de l'année, ils sont déjà costauds. C'est très très important pour elle. L'année prochaine, ces jeunes seront autonomes de pouvoir maintenant récupérer un maximum d'énergie, de protéines, de matières grasses de la rivière, évidemment donc des saumons. C'est une rivière que j'ai connue avec beaucoup plus d'ours et beaucoup plus de saumons. Cette maman ours, c'est un saumon silver qu'elle vient d'attraper. Et ça fait partie des espèces qui sont un petit peu en souffrance. Alors là, attention, là, ça s'approche et c'est eux qui vont venir sur le territoire des humains. Ils vont monter sur le pont et voilà, ils sont sur la route. Alors, voilà, nous regardent, on fait attention, on se recule, on leur laisse la place. On partage, on apprend à partager. On va tous respecter, non pas le code de la route ici, mais le code des ours sur la route. Et voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. Voilà, ils nous sentent, ils nous regardent et on partage la rivière et on partage la route.
On dit que les mères ours sont les plus dangereuses parce qu'elles protègent leurs oursons, mais il faut savoir que les très rares cas d'attaque, c'est souvent des ours qui sont chassés ou des chasseurs qui chassent d'autres espèces et qui ne se comportent pas de façon normale vis-à-vis des ours. Mais sinon, on peut passer des jours, des heures, des minutes, des semaines avec eux et vraiment ça se passe bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal si on partage intelligemment le territoire. Ben ça y est, on est arrivé au Canada, au Yukon, au Yukon, on est à mer. Nous quittons Haines pour rejoindre une autre rivière. C'est une rivière totalement sauvage qui s'appelle la Taquini River. C'est là que nous établirons notre dernier campement. Ces 30 dernières années, j'ai descendu pas mal de rivières en Amérique du Nord, en Alaska, au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et bivouaquer au milieu des bêtes et près d'une rivière est quelque chose d'indispensable à mon voyage. Mais aussi utiliser un canoë ou une barque pour descendre les rivières, c'est absolument incontournable. J'ai besoin de sentir le territoire depuis l'élément aquatique, au plus près de la nature. Des oranges de suite, t'as vu ça? C'est pas beau ça? Voilà pourquoi j'ai choisi cet homme. Homme savoir couper du bois pendant que moi manger café. Et voilà. Nous allons descendre la rivière pour faire un repérage afin d'effectuer demain des prises de vue en drone. Avant cela, nous profitons du vent et du soleil pour faire sécher nos vêtements humides et ranger le matériel. La descente d'hier s'est bien passée, assez physique dans les rapides, mais nous avons réussi à nous en tirer. Aujourd'hui, nous avons décidé de filmer la rivière sans gros moyens techniques, simplement un smartphone et surtout un drone. Nous avons rendez-vous avec Marie qui nous attend quelques kilomètres plus bas avec le véhicule. Si tout se passe bien, il nous faudra environ 3 heures pour la rejoindre. Pour moi, voyager en immersion au cœur de la nature, ça a toujours été un apprentissage de certaines techniques, de l'environnement, mais aussi de l'humilité qu'il faut avoir en permanence vis-à-vis de la nature sauvage. On passe d'une situation normale à une situation très compliquée, très rapidement, et il faut être prêt pour ça. Ce rapide que nous avions franchi la veille, on a décidé de le refaire une deuxième fois, mais avec une petite variante. Et la petite variante s'est avérée être beaucoup plus compliquée que le passage qu'on avait fait précédemment. Et puis c'est une rivière que je connais pourtant très bien. C'est un véritable parfum d'aventure auquel nous ne nous attendions pas. On
On s'engage pour franchir les rapides et c'est le drone qu'Arnaud a programmé en mode suivi automatique qui nous filme. Mais rien ne se passe comme prévu. Au lieu de contourner les rapides par la droite comme hier, là, nous fonçons tout droit. On le voit bien au ralenti, on se prend plusieurs grosses vagues de face qui inondent rapidement le canoë. Je suis un peu paniqué, mais Arnaud me dit « ça va bien se passer ». Honnêtement, je n'y crois pas un seul instant. L'eau monte dans le canoë et nous sommes presque sous la ligne de flottaison. On va couler très rapidement. On saute du canoë et on arrive à attraper un sac étanche avec nos affaires sèches. Je nage dans le courant, je me mets sur le dos et je regarde le ciel en me laissant porter par le courant. J'attends que la rivière soit plus calme et plus bas, je nage vers la rive. Notre canoë a été emporté, mais fort heureusement, Arnaud m'a rejoint. J'ai perdu mes bottes et je me retrouve en chaussettes. Nous avons des affaires sèches, deux pagaies, un smartphone, une boîte d'allumettes, l'eau de la rivière pour boire et une bonne dose de courage. Tout ce qu'il faut pour survivre. Plus facile en canoë. Hein. Nous envoyons un SMS à Marie, mais il n'y a pas de réseau. Heureusement, le message passera 2 heures plus tard, juste avant la nuit. De quoi la rassurer. Ouais, c'est un coup. Nous devons rejoindre notre lieu de rendez-vous, situé des kilomètres plus bas. Ça représente une demi-heure en canoë, mais au moins 5 heures en marchant le long de la rivière. La nuit est tombée très rapidement et nous allons devoir nous résoudre à dormir dehors. Nous savons que ça ne sera pas facile, mais sans lampe torche, nous n'avons aucune autre option. Nous trouvons du bois mort et grâce à nos allumettes, nous allumons un feu qu'il faudra alimenter toute la nuit en dormant très peu. Cette petite boîte d'allumettes qui vaut quelques centimes nous permet de passer une nuit au chaud à l'abri des grizzlies. Les loups hurlent au loin et la température oscille entre moins 5 et moins 10 degrés. Couchés à même le sol, nous attendons le matin. Malgré la fatigue, je propose ce selfie à Arnaud en guise de souvenir. Mais cette nuit restera à jamais en nous, avec ou sans photo. Nous marcherons encore 1 heure ce matin-là, avant de rejoindre Marie. Ascension, mon ami. Oh putain. Pas de chaussettes. Fais un petit moins 5. Ah bravo, bravo. Putain, t'avais pas eu de chaussures du tout. On s'en sort, on arrive. J'ai bien pensé à toi. Une femme qu'un canoë. En fait, on est passé à l'eau. On s'en est sorti tant bien que mal. Il y a vachement de courant après le rapide. Oui. Et puis, David n'a pas de chaussures. Oh. Il a tout fait sans chaussures. C'est invraisemblable. Et du coup, j'ai décidé de retraverser la rivière à la nage. Et je pensais à toi. J'étais en train de mourir. Hein. J'arrivais pas, quoi. Le froid... courant et tout, j'arrivais pas, quoi. Je pensais à toi, non, je me suis dit, putain, elle va m'en vouloir. Mais oui. Je lui ai gâché sa vie. Je me suis battu comme un enculé. Je suis resté dans l'eau, j'arrivais pas à remonter sur la berge pendant au moins un quart d'heure, quoi.
Cette petite aventure nous a permis de mieux nous connaître. Mais n'oublions pas que ce que nous avons vécu était le quotidien des Indiens qui vivaient autrefois dans ces territoires. Mes amis photographes resteront encore quelques jours avant de partir en Norvège retrouver les animaux qu'ils aiment par-dessus tout, les baleines et les orques. L'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on se retrouve là-bas pour une nouvelle aventure.